côté, on lève ensemble. J'ai eu 7 retraits de permis à cause de wheeling sur la route. Je n'ai pas arrêté malgré les punitions. C'est une passion. Ils ont entre 16 et 25 ans et se réunissent en zone industrielle pour faire vrombirler en moto et pratiquer la bike life. C'est un mouvement, c'est un sport radical qui réunit pas mal d'amis et puis qui nous fait faire beaucoup de connaissances aussi. Et divers figures, surtout des roues arrière. C'est de l'adrénaline, c'est des objectifs qu'on veut atteindre, comme lâcher la main, le genou sur la selle. Les gens appellent ça des rodéos sauvages, mais nous, c'est plus des balades entre amis. Certes, on respecte pas les règles de la route, entre guillemets, mais on fait quand même avec. On n'a pas le bon droit pour faire ça légalement. J'ai déjà été amendé, oui. Il y a une saisie des véhicules, interdiction de conduire pendant 1 an et demi. J'attends le retrait pour le moment, du coup, je roule. Vers 20h30, alertés, les motards s'arrêtent. La police arrive. Permis de conduire, permis de circulation des bécanes aussi. Lors de notre intervention, nous n'avons pas constaté de flagrant délit. On a passé notre message de prévention. Le wheeling, comme on l'appelle, est qualifié comme une perte de maîtrise au sens de la loi. Il risque d'être dénoncé et puis d'être sanctionné jusqu'à un retrait de permis ou la saisie du véhicule. Le risque pour nous-mêmes ou même pour les autres, c'est que nous, on puisse tomber ou qu'on puisse percuter quelqu'un. Ça m'angoisserait, oui, de shooter un enfant. C'est pour ça aussi qu'on vient dans des zones industrielles. C'est des infractions qui nuisent gravement à la sécurité. Ils prennent trop de risques vis-à-vis des autres usagers de la route. Si on aurait un endroit fermé à la circulation en privé, on se serait retiré de la circulation, ça c'est clair, parce que les problèmes, on les aime pas. Nous, la seule chose qu'on demande, ça serait d'avoir une ligne droite de 200 mètres, histoire qu'on puisse faire ce qu'on veut, sans avoir le stress que la police arrive. C'est pas la police cantonale vaudoise qui va offrir un circuit à ses usagers. Et pourtant, il y a chaque année des journées de prévention qui sont organisées par les motards. Et j'invite ces motards à y participer.